j'espère que vous allez bien. Ici, tout va bien. Je suis en train de sortir ma semoule du micro-ondes. Alors, il est midi, on va passer à table. Je vous prends seulement maintenant. Mais je pense que quand je vous filmerai un vlog, ça sera souvent comme ça le mardi. Parce que je sors d'une nuit, je dors un petit peu quand même. Hein, voilà. Pour mon bien-être, c'est mieux. Donc là, j'ai dormi ce matin. Je suis trop contente parce que je suis arrivée... en fait, je termine le travail à 7h. Le temps que je prenne ma voiture, que je rentre et tout. Je suis arrivée, il était 7h35. C'est moi qui ai levé Cali de la sieste. Donc, je trouve... de la sieste, n'importe quoi. Je vais... je vais peut-être aller me recoucher cet après-midi. C'est moi qui l'ai levé ce matin de la nuit. Ah, ça, c'est mon colis Guy de Marle. Je vous disais, c'est un colis Guy de Marle. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. J'ai pris des petites nouveautés, j'ai pris des moules. Alors en fait, j'ai tiré au sort 4 gagnantes dernièrement. 2 sur YouTube. Je pensais que ça fonctionnerait pas et en fait si. Donc je suis trop contente. Donc 2 sur YouTube parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui mais tu tires que sur Instagram. Et bien là j'ai tiré sur YouTube. Donc 2 gagnantes sur YouTube et 2 gagnantes sur Instagram. En sachant que sur Instagram, il y a la gagnante du Be Save. Elle le reçoit aujourd'hui puisque j'ai eu le mail en fait comme quoi le colis arrivait. J'ai dû lui renvoyer un SMS pour lui dire... Arrête Cali. Lui renvoyer un SMS pour lui dire que le code... Parce que vous savez, quand il y a le livreur qui passe, il demande un code pour valider voilà, la réception du colis. Et donc je lui ai envoyé vite un SMS pour qu'elle ait le code parce que sinon elle n'aurait pas... Alors, il y en a qui n'ont pas besoin du code mais bon, j'ai préféré. Voilà. Donc je suis trop contente. La personne a gagné le premier lot de Be Save. Donc elle a le Be Save, donc la machine pour mettre sous vide, et elle a des plats. Elle en a 2, je crois. Voilà. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient intéressés par ce concours entre guillemets parce qu'il n'y a pas forcément de concours, je tire au sort, voilà. Il y en aura d'autres, promis, promis, promis. Je vais vous montrer mes achats Guy de Marle en sachant qu'il y a 3 moules donc que je dois envoyer qui ont été remportés. Le moule tablette, le moule grand, les 20 muffins, les grands, enfin 20 muffins. Et le troisième, c'est les hérissons. Voilà pour tout ça. Allez, je mets ça à plat, j'ouvre. Il est très gros. Il est très très gros. Première chose que je vais vous montrer, c'est le moule pétale de rose. Mais je vais vous le montrer et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Puisque Aria vient de me dire « Ah, c'est des... » Et effectivement, donc voilà, c'est des pétales de rose. En fait, il y a un liseré au fond du moule. Quand on fait 2 empreintes et qu'on les colle entre elles, ça fait une rose. Et là, Ariel vient me dire « Oh, des petits chats !» Et effectivement, ça fait des petits chats. Et avec des oreilles. Oui, avec des oreilles. Mais tu sais quoi, Cali, cet après-midi, on fait les mots, on va faire les fondants là-dedans, d'accord? Oui. Et on fait en forme de chat. En forme de chat. Non, je veux faire en forme de cœur. Oui, je sais que tu veux en forme de cœur, mais on essaye là-dedans. Oui. Ok? On fait les petits chats là-dedans, Ariel? Et samedi ? Alors, oui, samedi, oui. ouais, c'est des pétales, normalement. C'est des fleurs, en fait. Ça fait des roses. Mais là, c'est vrai que ça fait des têtes de chat, quoi. On va tester. On va tester cet après-midi. Ouais, c'est bien. Ensuite, je vais vous montrer avant qu'on passe à table. J'ai pris le moule œuf, donc, de Pâques. Je vais pouvoir faire mes œufs de Pâques moi-même ou alors faire un entremets dans le moule œuf de Pâques. Il est ressorti, hein. Il n'est pas tout le temps dispo, mais comme c'est Pâques bientôt, voilà. Je me suis pris... Oui, c'est un œuf, mon cœur. Je me suis pris le pack Be Save, mais vous savez, la boîte de lunch. Comme je mange au boulot, je m'apporte mes lunchs, je m'apporte mon repas, je me suis dit, je vais me le prendre. Donc, en fait, il y a un compartiment en verre avec le couvercle qui se met sous vide, mais qui se referme. Et ça, c'est très pratique. Parce que quand tu pars avec un compartiment qui se met sous vide, mais qui ne se referme pas, le couvercle, il saute, en fait. Là, il se referme. Donc, très pratique. Donc, ça, c'est trop cool. Je vais pouvoir le laver et l'utiliser dès ce soir. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Un livre. C'est pas un livre, ça. C'est quoi? C'est un livre de recettes. Non, c'est une balance de cuisine.
électrique. Et en fait, je vous le montrerai de près. Je vais l'ouvrir, je vous montrerai de près. L'écran digital se cache, en fait. Donc ça, c'est trop cool. Et en plus, plus de pile. Elle est chargeable. Ça, j'avais pas vu. Trop bien. Le petit sac Bicel qui va avec le compartiment. Aria, est-ce que tu peux t'asseoir, mon petit chat, s'il te plaît? Les petits couverts Bicel. Alors ça, c'est... Voilà. Mais je me dis, au boulot, en fait, j'amène tout le temps mes couverts. Je... Je suis une toquée et j'aime pas manger dans les couverts. Voilà. Donc là, est-ce que c'est gravé Guy de Marle? Non, c'est gravé Bicel. Trop cool. Avec le petit sachet, trop cool. Ensuite, hop, donc là, il y a les moules qui ont été remportées. Pour moi, je me suis pris la dernière essoreuse à salade en alu. Elle est magnifique. Vraiment très très belle. Et vous savez, c'est le truc avec le fil là. Elle est en alu et tout. Trop belle, vraiment trop trop belle. J'ai qu'une main donc je peux pas vous montrer. Et ça c'est quoi? Ah oui! C'est la boîte pour ranger le pain. Je l'ouvre et je vous montre. 1h40. Aria est en train de donner de l'herbe aux poules. Elles sont trop contentes. On a amené Kelly à l'école. On l'a déposée. Je viens de coucher Romy. Et avant de partir à l'école, on a fait des petits gâteaux en forme de tête de chat. Alors, je suis en train de faire les décorations avec du chocolat blanc. J'en ai fait plusieurs. Je suis vraiment très très nulle. Je suis super nulle. Mais bon, j'aime bien, moi, c'est mignon. Voilà, pour les enfants. Et puis ça marche plutôt pas mal avec les fleurs, là. Franchement, ça marche bien. Je vais vous montrer. Voilà notre petit minou. Il est beau. Il est beau? Ouais. Bon, de toute façon, il va être mangé. Il a une petite moustache comme papa. Une petite moustache comme papa. Les petits gâteaux sont faits. Je vais me poser. Oh, mon bébé chat. Guy, c'est ma place là. Goji, c'est ma place. Tu me laisses la place? C'est moi qui dors là normalement. Oh là là, c'est compliqué. C'est dur la vie de Minou. Hein. J'aimerais bien dormir une petite demi-heure, voire une heure. Je vais me poser, je vais m'endormir et Romy, elle va se réveiller. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Bon, j'ai dormi une petite demi-heure, ça m'a fait du bien. Je vais faire mes cheveux là. Tout à l'heure, je les ai mouillés, j'ai fait mes boucles et tout, donc je vais m'en occuper. Je me suis maquillée. Je vais juste terminer mes cheveux. C'est vrai que j'aurais pu vous prendre avant de me maquiller, mais non, je vous prends après. Je vais finir mes cheveux. Normalement, la coiffeuse aurait dû venir demain, mais on a décalé le rendez-vous puisque Soso voulait être présente aussi pour voir la coiffeuse. Vous savez, moi, je fais venir la coiffeuse à la maison, comme ça, elle me coupe les cheveux moi et elle coupe les cheveux des filles aussi. Et donc là, au lieu de se voir donc demain 30 mars, on se voit le 27 avril, je crois. Voilà, donc je pense pas que je couperai la prochaine fois, à voir si j'éclaircis pas un petit peu au niveau des longueurs comme les beaux jours vont arriver et tout, je sais pas trop. En tout cas, il faut que je refasse une petite coupe, enlever cette frange qui n'a jamais été frange, hein, parce que je l'ai jamais coiffée comme frange. Et puis on verra. Là, je vais passer un petit coup de t-shirt en coton, comme ça, ça enlèvera le côté un petit peu cartonné des cheveux. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais faire? Je veux regarder, en fait, cet après-midi, il y a une... Alors, est-ce qu'on peut dire conférence? Oui, peut-être. Chez Guy de Marle, parce qu'en fait, tout ce qui est commission, etc., ça évolue en très très bien. En fait, il faisait un live cet après-midi, j'ai loupé le début. Je sais pas si je peux pas prendre en cours ou quoi, je vais voir. Mais voilà, j'aimerais regarder parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent, donc ça, c'est cool.
Je sais qu'il y en a 2-3 qui étaient intéressés pour rentrer chez Guy de Marle, savoir comment ça se passait, quel était le tarif pour le kit de démarrage, etc. etc. Comme d'hab, si vous avez des questions par rapport à tout ça, bah, vous n'hésitez pas. C'est vrai que j'en parle pas trop parce que voilà, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. N'importe qui peut rentrer chez Guy de Marle et être conseiller Guy de Marle. Après, si vous êtes motivé, si vous êtes accro à tout ce qui est cuisine, pâtisserie, etc., c'est le bon plan, quoi. C'est le beau plan parce que vous parlez des produits que vous utilisez, vous pouvez avoir un tarif quand vous les achetez, etc., etc. Donc voilà. Allez, j'arrête de blablater là, je fais mes cheveux. Tout à l'heure on ira récupérer Kali et ce soir elle a Zumba, elle va pouvoir y aller. La semaine dernière elle y a pas été parce que elle avait la varicelle, elle était claquée, mais là elle va bien, donc elle va pouvoir aller à la Zumba. Et puis en plus elle me l'a dit tout à l'heure, on va à la Zumba, donc voilà. Allez, je finis mes cheveux. Là je, pour le moment je suis en legging t-shirt. Je me changerai pour le boulot. Deuxième nuit après une petite journée de repos et dernière nuit de la semaine jeudi. Je vous en ai pas trop parlé, mais ce rythme me va très bien. Vraiment, même si je vous avoue que c'est des nuits qui sont un petit peu plus longues. Ça me va bien. 3 nuits, vraiment. Il y en a beaucoup qui m'avaient dit « Ouais, c'est pas mal les horaires et tout. » Et ouais, vraiment, c'est pas mal. Pour une vie de famille ou pas, hein, mais je trouve que c'est vraiment bien. J'ai tous mes mercredis de dispo. Donc voilà, je suis trop contente. Ça se passe bien. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur, pour être complètement transparente, parce que quand tu bosses de nuit, t'as toujours... ça peut mal se passer avec l'équipe de jour. Là, c'est pas le cas, donc voilà, je suis trop contente. Bref, allez, je me coiffe, je m'habille pour aller récupérer Kali. Déjà, je vais pas y aller comme ça. Et surtout pour le boulot de ce soir. Let's go. Estelle va te faire un bisou. Elle va te faire un bisou. Ça y est, je suis prête à habiller. Il me manque juste mon froc, comme d'hab. C'est pas grave. Bon, j'ai pu regarder un petit peu là le replay. Et puis, j'ai vu les chiffres surtout. Parce qu'en fait, ils ont mis les chiffres avant de mettre le replay en ligne. Donc, en fait, j'ai assisté au live. Mais je suis arrivée en cours. Donc, j'ai entendu certains trucs. En tout cas, le plan de revenus de commission, il est... c'est un truc de fou, comme il a évolué, donc trop bien. Alors, on a, c'était déjà pas mal, mais là, c'est de mieux en mieux, donc trop bien. Je sais qu'il y en a 2-3 qui m'ont rejoint le mois dernier, mais là, franchement, ça serait dommage de passer à côté. Quand on est, quand on adore faire la cuisine, la pâtisserie et tout, déjà pour s'équiper à moindre coût du Guy de Marle, mais surtout pour avoir un complément de revenus ou plus, c'est pas mal. Bref, en tout cas, je suis trop contente. J'ai bien fait de l'écouter parce que au début, je me suis dit, ah, c'est bon, je lirai le message qu'ils envoient, etc. Mais là, j'ai tout entendu, j'ai tout vu et tout, donc je suis trop bien. Je suis trop contente. Bref, allez, je mets mon pantalon. On va aller récupérer Mademoiselle Calinette. Et puis après, on est parti pour le rituel du soir, tout ça, quoi. C'est en train de bien se couvrir. Normalement, ils ont prévu de la pluie ce soir. Bon, Dodo vient de partir amener Kali à la Zumba.
Donc elle a une petite heure de Zumba. Moi je vais commencer à préparer le repas pour ce soir, même si je vous avoue que c'est tout prêt. Ce soir au menu c'est la poêlée de pommes de terre poireaux. Demain soir j'ai prévu le gratin de penne au merguez. C'est une recette que je vais vous filmer et que je vous mettrai en ligne donc jeudi. Demain soir Doudou n'est pas là, il a alors la semaine dernière c'était les présentations avec son parrain et demain c'est pour fêter les chiffres de son entreprise, etc. C'est un repas, c'est un dîner même. Donc oui, j'arrive, Romy. C'est un dîner, donc voilà, il est pas là demain soir. Ça tombait très bien que je travaille pas le mercredi parce que sinon il aurait pas pu y aller, ou alors il aurait laissé les filles à mes parents ou quoi. Mais voilà, donc ça tombe très bien. Donc oui, ce soir, je vous disais, poêlée, pommes de terre, poireaux, viande hachée que je vais faire réchauffer dans la poêle. Je vais me préparer mon petit ma petite boîte. J'ai lavé ma boîte lunch là, comme ça j'emmènerai tout ça ce soir. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré la boîte à pain. Je vous ai dit que je vous la montrerai et je voulais pas montrer. Oui, Romy, arrête de t'énerver sur ton jouet. Elle s'énerve sur son jouet. Donc, alors, cette boîte à pain, elle se présente comme ceci. Elle est bien grosse hein, quand même. Voilà, et en fait, vous avez un couvercle en bambou. Donc, je pense que on peut découper là-dessus. Je n'ai pas vraiment regardé. Je suis très mauvaise conseillère, Guy de Marle. Et voilà, le couvercle en bambou. Ça, c'est très pratique pour garder votre pain qui durcisse pas, etc. etc. Et je suis trop contente parce qu'il est quand même très, très beau. Et c'est dans les couleurs. Vous savez, moi, j'ai du bois dans la maison. Donc, c'est très, très bien. Voilà, est-ce que... Je vous ai pas montré les saureuses à salade. Et d'ailleurs... Pour revenir un petit peu sur les petites têtes de chat, j'ai partagé le truc sur Instagram et il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, ça ressemble à des dents !» Effectivement. Par rapport à l'angle où tu regardes le truc, oui, ça ressemble à des dents, c'est vrai. Donc, soit des dents, soit des tulipes, soit des roses, soit des chats. Voilà, c'est le moule multiforme. Tu bois un coup, toi ? Ah, tu bois un coca? Super. Bon, maman, elle fait à manger. Je commence à réchauffer. C'est quoi qu'on va faire, mais... La poêlée de pommes de terre poireaux. Oh non, c'est pas bon. C'est pas bon? Si. Sinon, je vais prendre les devants. Mon haut vient de chez Kiabi. Oui, Romy. C'est une ancienne collection. Et pour répondre à la question d'hier, j'ai mis une petite veste à fleurs. Je crois qu'elle était fond noir avec des petites fleurs jaunes. Elle vient de Kiabi, voilà, mes anciennes collections. Je l'ai en noir et je l'ai en jaune. Je l'adore parce que quand il fait pas trop froid et tout, c'est bien. Je vais la mettre ce soir d'ailleurs pour aller au boulot. Alors au boulot, je suis pas comme ça, hein, je reste pas comme ça. Là, Doudou tout à l'heure il me regarde, me dit dis donc t'es bien belle, t'es sûre que tu vas au boulot? Bah oui. De toute façon, je suis avec des enfants, hein, donc voilà. Mais au boulot, je suis en tenue complète. C'est-à-dire que j'ai ma blouse, j'ai mon pantalon, tenue complète, quoi. Et en basket et tout, parce qu'on piétine pas mal. Donc voilà, généralement, au boulot, je dépasse les 15 000 pas avant minuit. Et le lendemain matin, je suis déjà à 7 000, 8 000 pas, tellement on piétine. Voilà, donc au moins, je fais bien mes 10 000 pas dans la journée quand je travaille de nuit. Voilà, quand je travaille pas, je m'en rapproche, mais je les dépasse pas à chaque fois. Enfin, bon, allez, on est parti. Je vais faire réchauffer le repas. Ce soir, alors déjà j'ai fait la petite assiette avec la salade pour Monsieur Doudou. Bon bah je vais pas vous expliquer ce qu'il y a dedans. Carottes râpées, salade, concombre, tomate, un œuf cuit dur. Voilà. Et pour les filles, à voir si elles veulent des crudités ou pas. Mais pour les filles petites et pour Doudou hein, aussi. Poêlée, donc pommes de terre, poireaux. Alors là les poireaux on dirait qu'il n'y en a pas. Mais en fait ils ont fondu. Mais il y en a bien. Hein. Viande hachée, cette recette est trop bonne. Je vais vous la partager sur Bébé Pulpeuse Cuisine. Je vous ai fait des photos la dernière fois. Donc, je vais vous partager tout ça. Mais franchement, c'est trop bon. Et là, pour le côté un petit peu plus gourmand, j'ai mis deux carrés. Vous savez, les cheddar fondus là, à hamburger.
Donc je les ai mis dans la poêlée, j'ai mélangé et franchement c'est super bon. Voilà, donc je pense que les filles elles vont se régaler. Voilà. Sinon, eh bien, moi j'ai préparé mon petit sac. Alors le sac là, c'est celui que j'ai reçu aujourd'hui dans ma commande Guy de Marle. C'est un sac donc isotherme qui se met en entier au congèle. Et en fait, dedans il y a des poches et ça le tient bien au frais. Donc je suis trop contente. Bon, alors il se met sur... Aria, Romy, elle s'énerve sur les jouets, c'est un truc de fou. Il se met sur l'épaule, mais clairement, je vais pas le mettre sur l'épaule. Hein. Donc voilà, je vais prendre ça avec mon sac, avec ma tenue, etc. Et puis voilà. Mais pourquoi tu t'énerves? Yeah. Quoi? Tu vas au boulot là? Ouais, d'accord, ouais. Non, mais. C'est quoi ton boulot déjà? Je suis avec des enfants, chérie. Bon, j'ai mis ma petite veste, vous voyez, je l'ai en jaune aussi, moutarde, et en noir, que j'adore aussi. Là, j'ai dit, allez, il fait moche, alors je mets de la couleur. Les louloutes, elles ont mangé. Doudou, tu vas manger après? Oh, moi, je mange l'année prochaine. L'année prochaine? Oui. Toi, t'as mangé. Oui. T'as mangé comme un petit cochon. Vous avez mangé tous les deux. Bon. Non, je vais manger. Bon. Maman, elle va manger au boulot. Allez, je vous laisse avec Monsieur Doudou. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Et dernière nuit avant un petit repos. Ça va faire du bien. Hein? Toi, t'es en train de faire caca. Allez, gigot d'agneau. C'est drôle ou pas? Non. Comment ça? Oui. Merci, ma chérie. Oui, dis-le. À demain. Bonjour, vous. On parle de goji, enfin de gigot. Hmm? Non mais c'est une blague. Goji, t'as une fontaine, goji. Goji. Ça mouille l'eau. Hmm? T'aimes pas l'eau qui mouille? Non mais c'est une blague ce chat. Oui, c'est toi dans le miroir. De ce chat qui boit. Une grosse soif. T'en fous de partout, t'es sérieuse? Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu de tes soeurs descendre? J'espère pas, hein, parce que ça ronfle bien. Bref. Allez, maman est partie, le chat boit un coup. Donc, gigot, vous avez bien remarqué. Bref. J'ai une meilleure mine qu'hier soir. J'ai pas plus dormi cette nuit, mais... Mais là, ça va. Ça, je filme un tout petit peu plus tôt, genre une demi-heure plus tôt. Mais non, ça va. Je peux dire que j'ai la pêche, mais pour l'instant, j'ai la forme. Bon, j'ai fait ma routine du soir, nettoyage, préparation du petit déjeuner. Le linge a été fait hier soir. Les cotons, j'ai fini les trois quarts et j'ai terminé à midi ou fin d'après-midi. Allez, Goji. Parce que oui, je vais pomper toute la flotte là. Hein? Puis t'as ta fontaine. Et du coup, préparation du bibi, et moi je vais pouvoir manger. Est-ce qu'on en parle de cette petite assiette? Oh, c'est trop mignon. J'adore. Mais je sais pas, elle a dû voir ma vidéo d'hier soir, et je pense qu'elle s'est dit, allez, on va en faire une plus jolie. Pris encore plus content, ou qui puisse la montrer encore une fois de plus sur le vlog. Non, mais je pense que... Elle aime bien faire les salades et en plus elle en fait une pour moi. Elle est amoureuse, quoi, c'est tout. C'est comme ça. Vas-y. Puis c'est super gâteau minou. J'ai pu en goûter un petit, ouais, c'était. C'est super bon. Ou des grosses dents à l'envers, effectivement, c'est ce qu'elle m'a dit aussi. Enfin bref. Allez, je vais manger. Je vais peut-être faire un petit live Insta pour prendre des nouvelles un peu. Et puis après, bah, je vais monter le vlog, du coup c'est pour ça que je vous filme un petit peu. Goji, elle regarde l'évier, se demande si c'est du leurre ou du cochon. C'est du lard, du cochon ou une couvée, c'est quoi? C'est cru de l'évier. Et puis voilà. Ce soir, j'ai un peu de boulot. Du boulot. C'est parti de mon taf de consultant. D'être au forfait aussi, donc voilà, j'ai quand même pas mal de boulot. Et puis j'ai aussi d'autres travaux perso pro, voilà, faudrait que je vous explique aussi peut-être à l'occasion avec bébé. Ce midi j'ai mangé avec mon manager de Davidson Consulting, et puis je lui ai demandé si je pouvais créer
Goji, c'est bon. Elle a mangé les carottes du fond du l'évier pour... Elle va se transformer en lapin. Bref, j'ai mangé du Goji à midi avec mon manager et puis je lui ai demandé si je pouvais créer aussi en parallèle de du boulot que j'avais, le statut de micro-entrepreneur également. Parce que voilà, j'aimerais bien essayer de pouvoir faire mes activités extrascolaires, autre que juste mon travail, mais de pouvoir prester mes prestations, mes compétences pour tous. Parce que voilà, je suis dans l'informatique, mais je ne suis pas que dans l'informatique pure, je fais de la gestion de projet, j'utilise des logiciels que tout le monde n'a peut-être pas l'habitude d'utiliser, mais qui sont leaders sur le marché. J'ai des compétences que je peux mettre à l'écrit, en vidéo, etc., en ligne, sur un site qui serait dédié peut-être. Je pourrais faire des formations de photos, je pourrais je sais pas, voilà, faut que j'écrive un petit peu tout ce que j'aimerais faire, vraiment avoir vraiment un cœur d'activité et puis une espèce de nébuleuse d'autres sous-activités, mais puis d'écrire un petit peu ce que j'aimerais faire là-dedans. Alors l'idée, c'est pas de faire une entreprise en tant que telle à fond, etc. C'est vraiment d'essayer d'avoir quelque chose d'assez générique, mais voilà, d'essayer d'avoir quelque chose quand même d'homogène et de cohérent dans tout ce que je sais faire et pas de mettre en bordel sur un site. Bon bah voilà, je sais faire de la photo, de la gestion de projet, nettoyer une cuisine et bricoler dans le jardin. Maintenant, vous débrouillez, si vous avez besoin de moi, vous m'appelez. C'est peut-être un petit peu trop... Bref. Donc dans cette époque où on aimerait avoir une micro-indépendance, parce que j'ai passé ma période d'essai chez Davidson et je l'ai réussi, donc c'est cool. Et je suis très content de travailler avec eux et je leur ai même proposé, effectivement, parce qu'on est consultant, on fait des formations à distance très régulièrement pour toujours en apprendre plus, etc. Et je leur ai demandé aussi si je pouvais moi faire des formations, enfin d'écrire ou faire des formations moi-même à d'autres consultants qui aimeraient en savoir plus, parce que l'idée c'est faire, effectivement, c'est le partage de compétences. Voilà, donc pas mal de discussions, donc c'est plutôt cool. Et c'est dans le bon sens, c'est positif, donc c'est nickel. Bon, alors j'avoue que par contre le négatif, c'est que je vais plus trop au sport parce que du coup bébé elle va au boulot le soir. Faut que j'essaye de faire des séances. Donc, normalement le mercredi soir j'ai une séance comme j'avais l'habitude d'y aller à 21h. C'est des séances vidéo qui durent une heure de body pump. Et puis là ça va être très dur, essayer d'y aller le dimanche. Alors là la motivation elle fait flipper. Non, pas vous. Alors, il y en a qui vont se lever à 5h pour aller jogger et tout ça, bah, bon, courage, force, honneur et respect. Mais non, moi, dans mon lit, je suis bien aussi. Bref, mais je ne vais pas démotiver ceux qui se lèvent le matin, voilà, je les respecte à 110%. Mais moi, c'est très compliqué de se lever le matin. Autant, je me couche hyper... Je suis un lève-tard, couche-tard. Lève-tard. Un couche-tard, lève-tard plutôt. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est pareil. Bah, vous avez compris. Enfin, je vais pas recommencer. Enfin, voilà. De toute façon, là, je vous fais j'allais m'approcher de Goji pour lui dire au revoir. Puis elle se barre. Goji! La gueule. Ce chat. Et il y a des chats, vous verrez ce que c'est. Allez. Bon, je vous souhaite 7 minutes. J'ai même pas regardé la longueur du vlog de bébé, mais j'espère qu'il est pas trop long. Enfin, bref. Allez. Je vais pas trop subtiliser l'antenne. Je vais laisser libre les studios. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente journée. Soyez motivés, croyez en vous. Et puis, à très très vite dans un prochain vlog. À bientôt.